N'avez-vous jamais pensé comment aider vos diplômés à lancer et à diriger des mouvements une fois qu'ils quittent l'université? Nous voudrions vous informer d'un outil appelé les défis des leaders clés. Peut-être que vous êtes déjà familier avec les défis des volontaires clés qui a aidé des milliers d'étudiants partout dans le monde à lancer des mouvements spirituels. Cette version de ces défis aide les diplômés à lancer des mouvements dans leur contexte. Ce défi est destiné à qui? Ce défi, c'est pour l'étudiant qui s'approche de la fin de ses études universitaires ou qui a déjà obtenu son diplôme. De quoi aurez-vous besoin? Une feuille vierge de papier blanc, un bic et une Bible ou une app Bible. Pour commencer, pliez la feuille de papier en 3/4. Quand c'est fait, demandez au diplômé, quels sont les besoins les plus importants dans votre communauté et dans votre lieu de travail? Après leur réponse, écrivez en haut des pages, quelle est votre vision? Posez-lui la question, comment Dieu pourrait-il vous utiliser pour avoir un impact pour son royaume une fois votre diplôme en main? Demandez au diplômé de faire un dessin de sa vision. Après qu'il l'ait fait, écrivez les mots, vision pour son royaume. Expliquez qu'une vision pour son royaume est une vision pour vivre le commandement suprême et l'ordre suprême dans votre contexte. Ensuite, demandez au diplômé de lire Matthieu 28, 18 à 20. Posez la question. Qu'est-ce que Dieu aimerait que vous fassiez? Assurez-vous que le diplômé comprend bel et bien l'ordre suprême. Puis, demandez-lui, qu'est-ce que Dieu vous promet? Soulignez avec force que Jésus sera avec lui non seulement à l'université, mais aussi lorsqu'il s'en va pour faire des disciples, parmi leurs amis, dans la communauté et parmi les collègues au travail. Ensuite, demandez au diplômé de lire 2 Timothée 2:2. Posez-lui cette question. Que dit Paul à Timothée? Dessinez le schéma de la multiplication spirituelle. Expliquez que Paul enseigne à Timothée comment fonctionne une équipe de ministère. Assurez-vous que les diplômés saisissent bien le sens de la multiplication spirituelle. Écrivez le mot « équipe ». Dites, pour réaliser votre vision, vous aurez besoin de bonnes personnes à côté de vous. Demandez, comment cela pourrait-il se réaliser avec vos amis et collègues une fois sortis de l'université? Ensuite, écrivez le mot « coach », »,« entraîneur ». Expliquez que la poursuite de l'édification des mouvements exigera aussi la présence d'un coach. Demandez au diplômé qui pourrait être votre coach. Sur les derniers tiers de la feuille, écrivez les mots « plan » et « formation continue ». Dites au diplômé, il ne suffit pas simplement d'avoir une vision. Il vous faut aussi un plan et aussi une formation continue pour vivre intentionnellement cette mission. Demandez quels sont les éléments fondamentaux à inclure dans votre plan. Laissez-les réfléchir pendant quelques minutes et faire une liste des éléments à inclure. Puis, demandez-lui, puis-je suggérer quelques éléments? Écrire, prier, prendre soin, partager. Ensuite, posez-lui la question. Qui sont 5 amis ou collègues qui ne sont pas chrétiens, pour qui vous pouvez prier, que vous pouvez aimer? Demandez-lui de noter leur nom sur la feuille, et puis écrivez, former une équipe, et demandez-lui, pensez à 5 amis avec qui vous pouvez former une équipe pour rêver et faire un plan d'exercice de ministère une fois vos études universitaires terminées. Demandez-lui d'écrire leur nom sur la feuille. Après ça, demandez au diplômé, quels sont les outils dont vous aurez besoin pour exercer un ministère une fois diplômé? Accordez-lui un peu de temps, y penser et réfléchir. Après qu'il ait eu le temps d'y réfléchir, demandez si vous pouvez mentionner quelques outils. Faites visionner la vidéo Leader Impact et dites-lui qu'il y a d'autres ressources qui lui sont disponibles. Dans la partie formation continue, écrivez 1, 2, 3. À côté du numéro 1, écrivez Piste de biscuits. Dites, la piste de biscuits est une ressource vous aidant à prendre des pas pour annoncer l'évangile avec vos collègues. Ensuite, écrivez Démarrage. Dites, le démarrage est une ressource qui sert à vous aider à former une équipe et vivre la mission ensemble. Enfin, écrivez mentor ou coach. Dites, avoir un coach ou un mentor vous aidera à réellement vivre votre vision. Expliquez que ces 3 choses font partie de la formation continue que vous voudriez mettre à sa disposition, à savoir les ressources des SLM et des Leader Impact. Enfin, remerciez les diplômés pour le temps qu'ils vous ont accordé et prenez rendez-vous pour la semaine suivante pour continuer à travailler sur ces prochaines étapes. Merci d'apprendre sur les défis des leaders clés. Nous prions que ces outils aidera vos diplômés à multiplier et à édifier des mouvements spirituels à vie.